Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmar33 pour le 46e épisode de notre Let's Play d'Animal Crossing New Horizons. Incroyable! Nous sommes le 2 mai 2020. Bon, j'espère qu'il va se passer des choses incroyables parce que j'ai rien prévu du tout. Je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, de toute façon, je sais jamais ce qu'on va faire. À chaque fois, c'est la surprise. Voyons voir si Marie a des choses intéressantes à nous dire. Ce serait bien qu'il y ait Runar. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce samedi 2 mai 2020, il est actuellement 14h12 sur notre belle Luxine. Flûte alors, je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui. Oh merde. Si ce n'est... Oh! La nouvelle édition de mon magazine préféré sort aujourd'hui. J'ai tellement hâte de le lire en rentrant. Oh, sapristi, je me suis laissé emporter. J'imagine que tout cela n'intéresse que moi en réalité. Oui. C'est tout pour le moment. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Merci, Marie, bien sûr. On pourrait peut-être essayer de décorer la maison. Alors, je sais pas si on a des trucs incroyables à décorer ou non. Ah oui, j'ai eu ça. Je crois que c'est Bébert hier qui me l'a vendu. On dirait voilà qu'on est agent immobilier. C'est incroyable. Bonjour. Ah, maman. Mon cher Nekmao, l'odeur des arbres et de l'arbre coupé me donne des envies de grand air. C'est l'appel de la balade. Je sens vibrer l'aventurière en moi. À moins que ce soit plutôt une exploratrice ou une voyageuse. Maman. Ah, yes. Jeter, du coup. Et là, ma vraie maman. Oui, après tout. Cher Nekmao, merci pour cette jolie tasse. À bientôt. Bisous. Pourquoi elle m'a mis un truc de te comme ça? Pourquoi cette lettre? Il y a des graffitis. Ah non, je la garde. Hop, 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 hop. Hein. Hop, et la tasse, merci maman, bien sûr. Évidemment. Alors, ouvrons tout ça. On a reçu quoi comme cadeau? Sac à dos de maman. Kezako. Avec des cerises. Ah, c'est stylé. Je vais pas le porter, mais c'est stylé. J'aime bien. Merci, maman fictive. Alors, ça c'était pour le camping. Ce serait bien qu'il y ait des gens qui viennent au camping. Moi j'ai envie de dire... Et la tasse, bien sûr. Merci, maman. Merci, papa. Tous les ans, on veut que ça recommence. Didadidadidada. Hein. Pierre Perret, bien sûr. Au cas où vous n'auriez pas reconnu. Alors, bah du coup, est-ce qu'on avait des insectes, genre, ou des trucs comme ça ici, qu'il fallait qu'on vende? Il me semble que non. Si, j'ai un dit, pardon. Excusez-moi, comme ça on va le faire tout de suite. On va peut-être pêcher ou des trucs comme ça aussi, parce que avec les nouveaux... Ah ouais, costume tyrolien aussi, incroyable, que j'ai reçu. La tasse, merci maman, on dit qu'on l'a posée. Rocher, tac, ça aussi. Le hamac, c'est pour le camping. Kike House, on va le poser. Pulusé à la corde, ça, hop, on entrepose. Et ça, du coup, on peut le mettre là, pardon. Ajouter, tac. Toutouloutou. Dadididou. Faudra qu'on fasse une liste aussi exhaustive de ce qu'on a et ce qu'on n'a pas comme musique de Keke, parce que maintenant que j'ai le guide, je sais quelle musique il me manque ou non. Et ça, c'est bien. Donc je m'en occuperai tout à l'heure. Pas de nouveau message au niveau du panneau. On va faire comme on fait d'habitude. C'est-à-dire d'abord, on va aller voir les magasins et les habitants. Je sais pas où on va mettre le hamac. Par ici, peut-être. Hop, placé. Si, c'est bien là. C'est très très bien. Bon, ça ressemble à quelque chose, hein. C'est pas ouf ouf non plus, mais c'est déjà ça. Alors, c'est Joe. Oh, l'athlète! Rien que de te voir, je me sens déjà mieux. Alors, quoi de beau, ma chère Joe? Quand on vit sur une île, le temps avance tranquillement et le jour se termine sans qu'on aperçoive. C'est vrai que le temps passe vite. On va peut-être changer la méthode de... En haut des hybrides, parce que bon, finalement c'est pas la bonne méthode. Ah, trois clochettes. Donc on va s'en occuper. Tout de suite. Et mettre des sous.
dedans. En parlant de clochettes, j'ai vendu mes navets chez Courcil hier. Alors ça, attention, j'en poche. Voilà. Et donc du coup, voilà, moult argent. Donc le taux était acceptable. Il était à 285, je crois que c'est ça. Et donc du coup c'est cool. Donc on en a eu pour 3 millions, du coup j'ai 5 millions dans la banque. Donc on va peut-être acheter un pont. Pour l'instant on va faire le tour des habitations, des magasins, voir s'il y a des trucs qui nous intéressent ou non. Et voilà, comme ça on pourra se faire plaisir. Je vais taper ma mère qui a cueilli la fleur qui est à côté. Oh putain, on a un masque d'Iron Man. Enfin presque. C'est presque ça. On est à deux doigts. Allons par la cousette. Je sais bien que je reste enfermé toute la journée, mais je travaille toujours plus vite quand il fait beau. Peut-être parce que je fais que des manches courtes? En effet, ça semblerait logique. Du coup, je la plains en hiver quand elle doit faire des manteaux matelassés et douillets. Maillot de foot. Alors ça, jamais de la vie. Tu vois, genre les parkas de montagne. C'est très joli, sa veste décontractée. Mais c'est ce qu'avait Jambon au début. Oh là là, putain. Oh là là, on est un Get Boys Band. Yes. Ah là, si on se mettait tout en blanc, ne serait-ce pas une merveilleuse idée? Casque de puissance. Oh mon dieu. C'est Daft Punk. C'est les Daft Punk. Un Matambushi. C'est dégueulasse. Aïe aïe aïe. Ah non, mais on est bien comme ça, hein. En noir et blanc. Non! Mais non, c'est pas ce que je voulais faire, connasse. Mais j'ai un bruit. Bon, allez, on part sur ça. Oui, je veux porter ce que j'ai choisi. Oh là là. On est si beau. Oui, merci les guettes. Voilà, magnifique. Magnifique chanteur de boys band. Toubitri, bien sûr. Vous l'avez reconnu, c'est les Toubitri. Partir un jour. C'est génial. J'aime beaucoup cette tenue. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a debout? Ah oui, j'avais acheté un petit meuble sympathique aussi chez Courcil. Un jeu de go. C'est Madame Flamingo, ça, je crois qu'elle a pas te levé, hein. C'est ça. Ah d'ailleurs, faut qu'on voit si les flamingos on les a toujours parce que ce serait bien. C'est dommage, ils l'ont pas en noir. Je sais pas s'il est customisable. Bref. Qu'est-ce que vous avez de beau ici aussi? Vous avez un petit truc sympa, un petit parapluie fraise. Toujours tulipe, jacinthe, anémone, ouais, ça change pas. Ok. Okay, je pense qu'on s'intéresse à la maison, à essayer de décorer un petit peu. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Faudrait voir quels sont les meubles qu'on a qui rentrent dans certaines catégories. Voilà, il faudrait qu'on fasse des trucs incroyables et qui soient en raccord avec ce qu'on veut faire. Très bien. What else? Les habitants. Bien évidemment. On va commencer. Ah, stop! Ah non, ça c'est Joe. On l'a vu juste avant. C'est dommage que Runar ne soit pas là. Ça nous aurait fait une petite occupation. Alors voyons voir Bébert. Qui est chez lui? Oh là là, franchement, s'il fabrique, c'est un bro. C'est un bro. C'est pas un bro. Bonjour Nekmao, si j'avais su que tu viendrais, j'aurais fait un peu de ménage. Alors, quoi de beau? Tu utilises des Miles Nook? L'appli propose un truc en rapport avec les plantes pour le jour de la nature. Je peux bien consacrer une semaine à faire du bien à la planète. Je l'aime bien la planète, c'est là que j'habite. Oui. Mais bon,
très peu de monde font attention à l'écologie. C'est quoi, c'est planter des fleurs en plus? Ah, des jacinthes. Ça, c'est possible. On a en plus. Attends, ça a rapporté combien? 1000, ouais, le plaisir. Ah là là, 1000 clochettes, ça, quel plaisir! Ça, c'est vraiment bien. Vous vous rappelez quand Jambon habitait là? Fera peut-être un truc en hommage, bien évidemment, à Jambon. Alphonse n'est pas chez lui, mais Rino est là. Bonsoir. Rien que de te faire courir dans tous les sens, je suis fatigué. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Je sens que je vais passer la journée à chercher une réponse. J'ai l'impression que Rino raconte toujours la même chose, alors que les autres, j'ai l'impression que c'est un peu plus varié. C'est peut-être moi qui me fais des idées, mais je sais pas trop. Alors, Terina. Ah, s'il te plaît, un truc fantastique. Oh, tu m'as parlé, Nekmao? Désolé, j'étais complètement parti dans mon truc. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Bonne question. Eh bien, je bricole une jupe savane verte. Ah mince, on la connaît déjà. Hier soir, je lisais une BD pour m'endormir. Dedans, il y a cette nana qui est super et tout. Bref, elle s'était fabriquée une jupe savane verte. Alors, je me suis dit, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que... Quoi? Genre, Nekmao, tu sais fabriquer une jupe savane verte? Bah oui. Alors là, tu m'as embouché un coin-coin. Je me voyais déjà en train de te montrer comment faire et tout. Je suis fier de toi, Nekmao. Hé, on connaît déjà tous les deux ce plan, alors n'hésite pas à en faire profiter un autre bricoleur en herbe. Justement, il faut des herbes pour le faire, c'est drôle. Hein. Et vu que ça vient de quelqu'un qui sera bientôt mondialement célèbre, sans doute très bientôt. Tout cas, ça va les chevilles. Maintenant, va, Nekmao. Va répandre la bonne bricole dans le monde. Est-ce que les canards ont des chevilles? Ah oui, je sais que c'est très bizarre de se poser ce genre de questions. Mais ça me semble important. Est-ce que Marina est chez elle? Pas du tout. Mais elle est là. Juste ici. Oh, Nekmao! Oui! C'est le temps idéal pour faire une balade sur l'île. Il faut en profiter. Yes. Ah, je sais pas ce qui va être planté là. Bah, de toute façon, on peut le savoir si je sors la pelle et que je plante. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Ah, c'est du lys. Très bien. Pourquoi pas, ça peut être sympa de mettre ça là. Ah, c'est jambon. Je pensais que j'allais tomber sur Tony. Salut, tout est bon, l'après-midi se passe bien. Alors, quoi de beau? Aujourd'hui, le temps est parfait pour exercer un peu tous ces muscles. Yes. On peut peut-être passer la session à pêcher. Et à choper des insectes. Ce serait extraordinaire. Toujours ce petit coin café qui va bien. Franchement, il est sympa. Je suis fier de ce qu'on a fait ici. Abraham. Quoi debout, Abraham? Hello. Salut Nekmao, c'est gentil de venir me rendre visite, bruh. Alors, quoi debout? T'as entendu le truc à fait Titine? Eh bien, elle a fait un truc, bruh. Elle a fait quelque chose à ses cheveux, non? Moi, j'aimerais bien avoir une coupe. Chocolat vanille pistache avec plein de chantilly et des amandes effilées. Oh là là, oh là là. Ah ouais, moi aussi je veux ça. Oh là là, 1000 fois, hein. 1000 fois. Ok, ça c'est bon. Rhino, on l'a vu, et Ralph n'a pas l'air d'être chez lui, effectivement, il est juste devant. Mais en vrai, t'es stylé avec tes lunettes. Tiens, comment on va? Alors, quoi de beau? C'est pas la première fois que je te vois passer par ici à t'amuser. Viens pas te plaindre si tu trébuches. Ah bah, tout va bien, tout va bien. Mais écoutez, je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Je pense qu'on va pêcher, essayer d'améliorer un petit peu notre collection d'insectes et de poissons à attraper. Je pense qu'on va partir sur ça. Alors, il va falloir d'abord que je vende. Ah bah tiens, je vous ai pas vu aujourd'hui. Oh, tu te promènes toi aussi? Il va peut-être se passer un truc sympa aujourd'hui. Maintenant, par exemple. Je suis tout excité. Ah oui, putain, c'est quoi déjà cette musique? Je sais plus. Hello, ça fait plaisir de te voir. Tiens, je pensais à toi et voilà que tu apparais. Mes talents d'invocateur m'étonnent moi-même.
D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai jamais d'option pour t'offrir un cadeau à... Edouard, mais... Tony, excuse-moi. C'est l'habitude d'avoir Edouard dans New Leaf. Et donc du coup, voilà, à chaque fois qu'il y a un cheval, j'ai envie de l'appeler Edouard. C'est scandaleux. Je viens littéralement de traverser la boutique Nook avec ma pelle. Excellemment bien codé. Salut, achète-moi des trucs. Je veux notamment, voilà, tout ceci. Même ça. Hein. Alors, on va pas gagner grand-chose, hein. Ça va, en fait ça va, 8000. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de choper? Laissez-moi regarder sur mon site préféré, bien évidemment. Alors, ben on y va. Donc j'ai regardé sur mon site préféré, qui est assez... Comment il s'appelle? Assez online? Assez online. Et effectivement, il y a des trucs sympas qu'on peut attraper. Alors, notamment des trucs qui sont sur l'eau. Il y a les patineurs et les didiques, qui sont de nouveaux insectes de ce mois-ci. Et qui spawnent à la surface de l'eau. Alors je pense que c'est qu'en rivière ou en étang. Ça m'étonnerait que dans l'océan on en voit. Sait-on jamais? Est-ce qu'on en a par là? Non. On a bien sûr les mêmes. Hein. Les Acridea. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Les sauterelles quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis le nom compliqué alors qu'ils auraient pu appeler ça une sauterelle. J'en sais rien. Ne me demandez pas. Mais on a un autre fossile ici. On va en donner à Thibaut. Hein. Tout plein, tout plein. Hein. Angélie. J'ai vu qu'il y avait une touffe d'herbe aussi. Ça, c'est hors de question. Tu viens pas pourrir mon petit jardin pour enfants là. Non mais. Il suffit maintenant. Hein. Ça suffit, hein. C'est facétie. Non mais. Est-ce qu'on en a par là? Alors je pense que c'est rare. Quoique peut-être pas, j'en sais rien. Non, il me semble qu'on en trouvait plein dans le jeu d'avant. Alors je fume peut-être. Hein. C'est possible. Ou alors faudrait aller sur une île. Est-ce que sur une île mystère on pourrait avoir ces trucs-là? Je pense que oui quand même. Ah oui, et pendant qu'on entend des taugrillons. Par là, là. C'est le dernier mois des taugrillons. Je sais pas où il est, mais au pire, ça c'est pas grave. C'est le dernier mois des taugrillons. Et après, hop, plus rien. Jusqu'à plus loin. C'est quand les taugrillons? Ça va. C'est de novembre à mai. Donc on n'a pas trop de risques à ce niveau-là. Re-salut Ralph. Ça va? Moi ça va nickel. Est-ce qu'on en a par là? Des bestioles dégueulasses. Non, alors peut-être en haut. Ça on l'a déjà celui-là il me semble. C'est raté. C'est pas grave, de toute façon, il me semble qu'on l'avait déjà. Je me souviens plus du nom, par contre, de cette bestiole. Mais je sais qu'on en a. À mon avis, il faudrait peut-être aller sur une île mystère pour avoir ces insectes-là. Mais bon, ça me ferait chier d'aller sur une île mystère juste pour ces deux insectes à la con. Sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais je trouve ça un peu con. Ça m'étonnerait qu'on en ait ici. Ouais, c'est le petit coin ASMR. Voilà, pour ceux qui veulent respirer tranquillement du bon air frais, ils peuvent aller là. Ok. Non, je pense qu'on va faire le tour un long moment avant d'essayer de trouver quelque chose. Là, décidément, on n'a pas de chance du tout. On trouve rien. Peut-être au niveau de la rivière. Qui sait? Hop, on passe tranquillement.
Est-ce qu'il y a des petites bestioles? S'il vous plaît. Cet arbre, je pense qu'il va. C'est une cicindelle, ça. Yes. On s'en fout un peu de la cicindelle. J'ai envie de dire. Non, j'en vois aucun de ces insectes à la con. Bah, décidément, pas de chance. Pas de chance du tout, même. Bon, c'est pas grave, hein. On en a d'autres, hein. Il y a notamment. Ah, ballon. Il y a notamment deux nouveaux poissons qui sont au niveau du ponton. Ah non, c'est l'autre sens. Je me souviens plus lesquels c'est déjà. J'ai déjà oublié. Il y en a deux, me semble-t-il, au ponton. Alors, on a. Laissez-moi checker. Au niveau du ponton, on a la 40 grosses têtes et la coryphène. Voilà, sachez-le. On a ces deux-là. Le cadeau. Qu'est-ce qu'on a eu? Un porte-kimono. Yes! Ça, c'est sympathique. Je sais pas si on va en faire un truc, mais on peut. Sinon, on pêche, hein. À défaut d'avoir les trucs, on peut par exemple avoir des grenouilles, hein, au niveau des étangs. Hop. Je vais aller voir quand même au niveau du ponton s'il n'y a pas. S'il n'y a pas des trucs. On sait jamais, hein. On va peut-être pas faire que pêcher aujourd'hui, rassurez-vous. C'est juste histoire de s'occuper. Un petit peu. Il y a peut-être Gulliver, qui sait? Attendez. On n'a même pas pensé à checker s'il y avait Gulliver ou quoi ou qu'est-ce. Ah oui, il faut qu'on check pour monsieur et madame Flamingo aussi. Parce que c'est super important. On avait dit qu'on ferait quelque chose avec eux. Et là. Que dalle. Alors. Poussez-vous. Poussez-vous, c'est Marina. Je crois qu'il y a un mini poisson là. Ils m'ont donné envie de pêcher. Allez, pêchons. Alors, bien évidemment, le poisson ne verra jamais la ligne. Vu qu'on est très très bien placé, évidemment. Ah, si, ça y est. Allez. C'est un Cheven. Christophe de Cheven. Putain, incroyable, hein. Cette blague improvisée était formidable. Je voulais aller voir l'autre étang là-bas. Y a déjà un autre ballon? Putain, ça allait vite. Déjà un autre ballon. Pof! Allez hop. C'est pour moi, hein. C'est cadeau. Oui! Une pépite d'or, oui! Putain, c'est vraiment exceptionnel. On n'a pas Gulliver par là? Je pense que les habitants m'en auraient parlé s'il y avait Gulliver. À mon avis, on n'a pas Gulliver. Ah, c'est vrai qu'on peut pas passer là. J'ai hâte qu'ils soient en fleurs. Je sais pas quelle est la saison pour que ce soit en fleurs, ces plantes-là. En ce moment, il n'y a que l'azalée qui pousse. Non, je pense qu'on n'est pas Gulliver. Ouais. Pas de traces de cette vieille mouette. Mais, côté, il y a la mer. Attention. Cher hypothétique lecteur, j'étais en train de roupiller dans mon bain quand ce plan est apparu de mon rêve. Je ne pouvais pas le garder pour moi, alors le voilà. En plus de ça, il est super simple. Ton bienfaiteur primo. Couronne de fruits. Ah yes. Ça, c'est bien ça. Putain, j'ai pas. J'aurais fait un truc sympa avec. Alors, fais voir, qu'est-ce qu'il faut? Oh, c'est trop joli en plus.
Pomme, poire, cerise, orange, pêche. On a tout ça, je crois, hein. Pomme, poire. Est-ce qu'on en a encore ou est-ce que ma mère a tout dévalisé? Non, c'est bon. Tout va bien. Putain, attendez, on va en faire une. Alors, on va faire une jolie set de fruits sur la tête. Donc, orange, c'est bon. Pomme. C'est bon. Va peut-être falloir faire un verger, hein. Par contre, poire, il n'y a pas. Il y a encore une orange là, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Pomme, orange, c'est bon. Faut poire, cerise, pêche. On n'a pas ça. Poire, on n'a pas. Alors, peut-être chez nous. Poire, cerise, pêche. Cerise, c'est bon. Je pense qu'on va faire un coin verger, hein, parce que c'est pas possible. Faudrait mettre. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien le panneau, c'est pour mettre les trucs, genre le verger. Un peu comme on avait vu chez Aura d'ailleurs. Sauf qu'il y avait tous les fruits en même temps. Mais ouais. Il me faudrait des pêches. Et des poires, c'est ce qu'on a dit, hein. C'est ça qui manque, pêche-poire. Mais d'accord. Pêche-poire. Alors, regardons si on en a. Est-ce qu'on a pêche et poire? On a poire, mais on n'a pas pêche. Aïe aïe aïe. Je vais peut-être demander à quelqu'un s'il peut m'envoyer des pêches. Bon, on attend deux réponses. Alors, qu'est-ce que j'avais acheté hier chez Coursine qui était bien? C'était ça. La petite console ancienne en noir qui rend ma foi fort bien. Et je pense qu'on va carrément enlever ça. Et on va la mettre là, la console. Hop. Placer dans la poche. Tac. C'est pas mal, hein. Et du coup, on peut mettre des trucs dessus. Dont notamment peut-être ça. Le terrarium. Voilà, il faudrait qu'on mette un autre truc à côté. Alors, est-ce qu'on peut mettre un autre truc à côté? De sympathique, ma foi. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Voilà. Et on a bien monsieur et madame Flamingo ici. C'est ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre une tasse. C'est ridicule. Putain, petite modèle de tarentule. Bien évidemment. Bien évidemment. Que peut-on mettre? Est-ce qu'il y a une petite babiole qui pourrait être sympathique? Un set de divination? Oh là là, regardez. On va mettre ça. Petit set de divination? Alors c'est un peu dommage que ça dépasse. Parce que je présume qu'on peut pas le décaler d'un demi-bloc. Eh ouais. Ouais, donc non. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc intéressant par hasard chez les Nooks pour éventuellement pallier à ce léger problème? Sinon, on déplacera le terrarium, on le met au milieu de la console. Hein. Je sais pas. Allons voir déjà ce qu'ils vendent là-dedans. Et analysons. Ils ont un mixeur, ça je l'ai vu. Au pire, le mixeur peut aller dans la cuisine. Ouais, il n'y a rien qui est extraordinaire. D'ailleurs, on pourrait peut-être en acheter un mixeur. J'aimerais bien qu'il y ait merde, une casserole aussi. On va peut-être aller voir chez le Nookstop. Je vais prendre ça au cas où, sait-on jamais, si un jour on a envie de foutre ça dans la cuisine. Par contre, poussez-vous les jeunes. Ce serait sensationnel. On va voir ça au Nookstop. Après, on s'occupera peut-être de placer le monsieur et madame Flamingo. Ah oui, mais tu nous gênes, Joe. Tiens, hop. Voilà, comme ça au moins, on peut se déplacer librement. Alors, tac.
Nanana. Titi-titi-tout. Alors, what boy ici? Mur entre la fleur au vert. Attendez, il faudrait que je check. Alors, dans le Nook Stop, qu'a-t-on de magnifique? Je suis sûr des choses géniales. J'en suis sûr, j'en suis certain. Échanger des miles Nook. Bois standard, pierre sèche. Ah, je suis pas sûr qu'on ait le muret en pierre sèche. Je sais même plus combien il y a de murets possibles. Alors, attendez. On va regarder ça. C'est dans autre. Ouais, vous voyez, on l'a pas. Ah, putain, on pourrait mettre plein de clôtures végétales. Pourrait même faire un mini labyrinthe, hein, du coup. Quelque part. Utiliser le DAC. Vous voyez, maintenant on a 5 millions, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était juste pour vous montrer ça que je voulais utiliser le DAC. Le Nook Shopping. Qu'a-t-on de magnifique? Pour rien. 100 bas de kéké, on l'a déjà. On l'a le poster d'Abraham, j'en doute. I've got a doubt. Et rien d'autre à part ça. Bon, je suppose que le mois prochain, du coup, on aura la tasse Merci Papa. Ok. Ça c'est fait. Ah bah non, attendez, attendez. Pff, moi je suis con, je me disais qu'il me manquait un truc. On n'a pas le muret. Le petit muret simple. La petite pierre sèche. Tout ça, tout ça. Sinon je pense qu'on va aller sur une île Mister, ouais. On peut aller récupérer des ressources. J'ai bien envie de faire des barrières naturelles. On va voir. Oui, c'est pourquoi nous Milesplos. Voilà, nous Milesplos. Ah oui, Daniel. Wahoo! Alors, attendez. Qu'est-ce que quoi? 4 pierres. Oh, en plus, c'est même pas cher à payer. Cool. La Melznook. C'est évidemment. C'est un grand oui. Des Melznook, on en a plein. Hein. Regardez, on a 28 670. C'est limite scandaleux et honteux qu'on en ait autant. Alors. Non, mais. Plaçons les monsieur et madame Flamingo. Donc. On va les remettre là où on les avait mis avant. C'est-à-dire que la flamingote, on va la mettre. Ah, je pense qu'il faut qu'on fasse un chemin ici. Hein. La flamingote, faut qu'on la pose au bout là-bas. Où on l'avait posée exactement? On l'avait posée là, il me semble. Hein. Elle est où, Madame Flamingo? Elle est là. Voilà, qui veille bien évidemment. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je vais faire? Sur la mer. Voilà, magnifique. Alors peut-être qu'on s'en servira un jour pour une construction, quelque chose. Peut-être, je ne sais pas encore. On verra. Il faudrait qu'on s'occupe de ça. Faire un petit chemin là. Je pense qu'on va rester sur le thème de la pierre du coup. Ou alors on fait un chemin en sable. Je ne sais pas trop. Au revoir. On viendra vous voir plus tard. Hein. Là aussi, il faudrait qu'on fasse un chemin en sable qui mène jusqu'à la plage. Ah, tandis qu'un autre ballon arrive. Y avait un papillon, j'ai pas rêvé. Qui s'est levé si haut dans le ciel. Alors attends, parce que déjà je vais placer correctement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le bouton, je voulais pas. Et le papa flamingo, on va le placer là. Voilà. Papa flamingo. Voilà, comme ça il y a toute la famille.
Magnifique. Petit papa flamingo. Où est le ballon? Il est là, déjà. Vite. Faudrait qu'on range toutes nos merdes. On va aller sur une île mystère. On va aller sur une île mystère. Ça va disparaître, ça, non? Ah non, c'est bon. Ok. Ouf. J'ai eu peur. Alors. Chapeau tropical. Oh là là! Ah yes, mais on mettra ça en été. Hein. Il est magnifique. Magnifique chapeau. Ah là là. Si on t'a parlé, Ralph, tu faisais du sport tout à l'heure. J'ai eu un gros doute d'un coup. Ok, bien. Et ben maintenant que ça c'est fait, on va acheter un ticket Mail Snook. Hein. Et nous allons nous barrer. Je regarde s'il n'y a pas des papillons un peu spéciaux qu'on n'a pas encore vus. On va se barrer sur une île. Ah oui, et ça donne quoi ça? Ah, c'est pas dégueu! J'aime bien. On pourrait faire une salle uniquement avec des plantes, avec ça. Vous imaginez? Oh ouais, on se fait une serre. Genre en bas. On fait une pièce avec des serres et tout. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça. Incroyable. En vrai, ça pourrait être bien. Alors. Le but, c'était de vider nos poches. J'ai fait de la bite. Mais ouais, ça peut être cool avec ça. Entreposer. Faudrait trouver un seul herbe ou un truc comme ça qui va bien avec. Bon, la couronne fleur, on verra plus tard, hein, du coup. Pour l'instant, on va se débarrasser de tout. Même des chevaines, machin. Ah, on va peut-être aller montrer nos fossiles à Thibaut. Hop. Du coup, je ne prends pas ça et ça. Ah oui, mais sauf que connard de ma. Faut que je me déséquipe du lance-pierre. C'est ultra relou ça, on peut pas le déséquiper tant qu'on est chez nous. C'est un peu chiant. Voilà, c'est bon. Au revoir. Au revoir Yves, à tout à l'heure. C'est vrai quoi. C'est vrai qu'on pourrait mettre un truc là sur cette commode impériale. Alors qui est ma foi très stylé, ça ajoute une petite touche de rouge. Je trouve ça magnifique. Franchement, notre pièce principale rend bien. Alors c'est peut-être un chouïa vide. Peut-être. Je sais pas trop. Je connais des gens qui ont qui ont des pièces un peu plus chargées. C'est pas ce que je veux faire, trou du cul. Mais je sais pas. Moi j'aime pas avoir une pièce trop chargée non plus. Je trouve que ce qu'on a pour l'instant est magnifiquement bien. Et puis c'est tout quoi. Faudra pas oublier demain les navets en espérant qu'on ait plus de chance concernant ces petits navets. Ce serait sensationnel. Alors, voyons voir ce que va nous dire Monsieur Thibault concernant ces deux merveilleux fossiles que nous avons ramenés. Coucou. Alors, oui. Expertiser des fossiles. Alors, nous en avons deux ici à vous offrir, cher monsieur Hibou. Alors, oh non, oh, c'est dommage, nous allons donc les vendre. Au revoir, Thibou. Merci. Salut. Salut. Merci pour tout. On espère te ramener moult. Moult insectes, hein, maintenant. Il se parle? Non, il se parle pas, il parle chacun dans le coin.
Et donc, allons vendre tout ceci au frère Nook. Ça se trouve, voilà, on va en tirer 100 000 euros. Non, jamais. Je crois pas qu'il y a deux trucs qui valent 50 000 pièces. Alors, qu'est-ce que c'était les fameux fossiles que l'on avait? Crâne de Trissé, pointe de queue de... Je ne sais pas. Alors, 9 500, ça va. On va aller sur une île mystère pour deux raisons. Une, c'est pour les mauvaises herbes, histoire de faire ce petit truc incroyable qui sont les barrières en feuilles là. Les barrières végétales, je sais plus le nom exact. Clôture végétale, voilà. Attends, faut quoi avec? Mange d'arbre, pierre, ouais, ça va. C'est pas cher. Et deuxième chose, peut-être choper des insectes et des poissons, ma foi, fort rares. Achetons un ticket Miles Nook. Échanger des Miles Nook. Voilà, ticket Nook Miles, incroyable, je dis oui. Voilà, c'est magnifique. Oui, après ça, on sait. À chaque fois, ils sont obligés de nous rappeler comment on s'en sert de... du truc. On sait très bien comment ça marche. Je veux dire, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Ok. Bon, ben allons-y. Allons-y, allons-y, là, le MEDR. Est-ce qu'on va trouver quelque chose d'extraordinaire? Bon, on n'a plus l'escapade du premier mai, évidemment. C'était qu'une seule fois. C'est honteux. Hello! Non mais même plus je veux te parler, Maurice. Je vais bien sûr l'utiliser, mon chat. Je me suis trompé! Je m'ai trompé! Aïe aïe aïe. Non mais oui, je veux un ticket Miles Nook, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. Je suis prêt à partir. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter. Eh oui. En mode to bitri. Ah là là. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Est-ce qu'on va tomber sur une île sympathique? Oh, il pleut. Il pleut, je veux un sélacanthe. Putain de merde. Aïe aïe aïe. Ah, c'est tellement l'île là, c'est la cante. La tentation n'est que trop bonne. Ah là là, le petit c'est la cante là. Ah là là. Oh, je vais passer ma vie ici. C'est bon. C'est scandaleux d'être tombé sur ça. Direct. Chinchard. Plutôt cabochard que pétochard. Putain, en plus, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Hein. Je suppose que. Il doit y avoir des choses extraordinaires. Putain, il pleut. Yes. Alors, je pensais pas qu'on allait tomber sur une île où il pleuvrait. Ah, je vais être obligé d'aller sur le ponton. Mais du coup, on n'a pas d'insectes. Ça, au pire, c'est pas trop grave. Tant qu'on a les poissons, écoutez, on peut se faire un petit plaisir. Alors, en plus ça nous fait l'occasion de pêcher des poissons incroyables tels que ce Scarus. Scarus Scarum. Ça me rappelle l'époque du latin, ça. Très très belle époque. Alors, je crois que le Sélacanthe c'est 1% de proba. Hein. Putain, j'ai stressé, merde. J'ai cassé le combo. Je crois que c'est 1% le Sélacanthe. Si je me trompe pas, faudrait que je recheck l'info. Je sais pas pourquoi j'ai stressé, ça m'énerve. Ah non, il avait vu! Alors apparemment, je me suis trompé. En ce moment, le Sélacanthe, c'est 2% de chance que ça tombe. Donc du coup, c'est bien. On est sur une bonne période, du coup. Encore faut-il en trouver.
Mais voilà, ça spawn une fois sur 50 en moyenne. Donc faut bien regarder. Après, l'ombre est énorme. Genre ça, c'est pas énorme, mais vous savez, on va pas se plaindre. Hop. Allez, viens là, mon grand. J'ai stressé. Putain. Faut que j'arrête de stresser. C'est énervant. Mais c'est là quand t'as quand même une ombre assez gigantesque. Mais bon. Faut être serein à la pêche, faut être serein. Voilà. Faut appuyer maintenant. Tout va bien. C'est un calmar. Ah non, mais j'aurai mon Sélacante. Je ne partirai pas de cette île. Hein. Quitte à ce qu'on arrête l'épisode là, j'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Je veux surtout le Sélacante, comme ça on le chope une fois, on n'en parle plus. Mais on n'en parle plus ever. C'est ça que je veux, moi. De toute façon, on va pêcher aussi des nouveaux poissons assez rares. Je ne sais pas. C'est pour ça que je chope absolument tous les poissons qui sont là, parce que s'ils tombent dans la catégorie que j'ai pas encore, genre des nouveaux poissons qu'on n'a jamais vus, c'est sensationnel. Mais bon, pour l'instant, jusque-là, on a tout vu, hein. Oui, on avait le défi de faire 5 poissons, c'est fait. Alors. L'hippocampe, on avait déjà aussi. Petit hippocampe. Petit poisson cheval. Attention. Est-ce que c'est raté? Évidemment, oui. Ah là là, petit poisson aveugle. Ça, c'est chiant de les choper sur le rocher comme ça, là. Allez. Voilà. Tout en douceur. C'est un Scarus. Je sens que je sais pas pourquoi ma canne à pêche va bientôt péter. Bon, après, c'est pas grave, on peut quand même en fabriquer à plein. L'avantage aussi d'être sur une île comme ça, c'est que voilà, on peut en choper plein. C'est ma foi fort sympathique. Un poisson rikiki! Rikiki pousse pousse. Hop. Allez. Tiens, le petit poisson. Je suis sûr, tu peux le faire. Pourquoi j'ai paniqué? Je ne sais pas. Pourquoi? C'est terrible. Oh là là, je regrette cette époque où on avait des sturgeons aussi qu'on pouvait avoir. On n'a jamais eu. Très très gros poisson là. Est-ce qu'on peut avoir un truc, ma foi, fort sympathique, s'il vous plaît? Je suis sûr qu'il y a des poissons rares qui apparaissent plus souvent que le Sélacanthe. Oula, 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 mais où tu vas? Où tu vas, Michel? Reviens là, mais. Connard. Oula, première fois qu'on nous fait ça. Hein. Attention, hein. C'est la première et la dernière fois. Poisson scorpion, d'accord. Au moins on sait que c'est bon. D'ailleurs, ça fait penser qu'il faudra qu'on fasse un truc à scorpion. Très bien, je suppose que c'est la même chose que les îles aux tarentules. Même très probablement, je pense. Oh, lui, il est direct. Alors, il a pas tergiversé 500 ans. Il a fait, ah, j'ai vu le truc, paf! Allez, gigot! Bon, c'est bon, on n'a plus de canne à pêche. Après, rien ne nous empêche d'en fabriquer. Putain, incroyable. Qui allait croire qu'on allait faire ça? Eh ben, pas moi, en tout cas. Faut quoi déjà pour la canne à pêche? Branche d'arbre et après c'est du fer, ok. Bon, ça va alors. De toute façon, on a de quoi faire.
On a de quoi faire du fer. J'ai trois branches, bon. Parce qu'on a un arbre, hein. Vous savez, ils sont là pour ça, pour nous donner des branches. Voilà. Et là maintenant, le coup de grâce. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que c'était là qu'il fallait creuser, mais c'est pas grave. Donne-moi moult fer, s'il te plaît. Voilà. Thank you. Thank you so much. Parfait. Voilà, donc maintenant on peut faire la canne à pêche. Tranquille ou bilou. Tranquille ou bilou. Si ça c'est pas une expression de vieux, je sais pas. On pourrait pêcher les gros poissons qui sont là-dedans. Ça me trigger beaucoup. Et je pense qu'il y a, il y a des chances qu'on ait. Peut-être une grenouille ou un truc du style. Mais bon. Écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Honnêtement, on n'a pas fait grand chose. Mais bon, c'est peut-être un truc plus interlude. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Ciao.